Salut les amis, c'est Aki. J'espère que vous allez bien. Je reviens en force pour le deuxième épisode de Fable Anniversaire, la suite que vous attendiez sûrement depuis un petit moment, même un long moment. Ne vous inquiétez pas les amis, je reviens et je suis là, je vais être tout à vous. On va sortir des vidéos, on va s'amuser, on va, vous inquiétez pas, on va tout un programme s'offre à nous. Enfin bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de suivre Fable, et moi aussi j'ai envie de le continuer, donc c'est parti. On a fini notre formation, et on va chercher nos premières missions, enfin nos premières quêtes, pour avoir un peu de maille et puis pouvoir évoluer. Alors, attaque des trolls, donc on va commencer par la menace des guêpes, hein, moi je dis. Voilà, sélectionner quête, on est trop bas, j'imagine, ouais. Bon, du coup, menace des guêpes. Suivez les sorties de région sur votre carte pour atteindre le lieu de votre quête. Votre inventaire contient de plus en plus d'informations sur toute quête entreprise. Rappelez-vous, vous pouvez appuyer sur Start, Select. Du coup, Select la flèche, voilà, c'est Microsoft, à tout moment pour voir vos objectifs actuels. Donc, essayons. Waouh, ouh là 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 là. Menace des guêpes. Alors, c'est où? C'est là, d'accord. Mettez fin à l'infestation de l'aire de pique-nique. Alors là, c'est... non, de toute façon, c'est pas là. On va sortir, tout simplement. Prendre la porte, hein. Pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien, les amis. Vous m'avez manqué. J'espère que moi aussi, je vous ai manqué. Et comme je vous le disais avant, un petit programme s'offre à nous. La chaîne a pas mal évolué. Souvenez-vous que suivre les marqueurs dorés sur votre carte vous mènera à vos objectifs de quête. Oui. Très bien, je veux savoir comment rengaine mon épée déjà. La zone de pique-nique. Venez avec moi. Oui, j'arrive. Je te suis. Plus vite. Ouais, excuse-moi. Ouais, plus vite. C'est par là. Tu vas me paumer là. Ah. Bah oui, des guêpes, oh là là. Faut pas bouger. C'est par là, s'il vous plaît. Sauvez mes amis! Oui, je sauvais tes potes. C'est des guêpes, faut pas bouger, c'est tout petit. Ça reste... Si tu bouges pas, elles te piquent pas. Voilà. Bon, après, on est un peu dans un endroit un petit peu particulier où les guêpes font la taille de ta tête, si ce n'est pas plus. Ouais, c'est plus en fait. Oh! Oh my god. Oh là là, my god! Alors. Esbrouf, qu'est-ce que c'est quoi 0 sur 0? C'est-à-dire que. Ouais. Tu es toutes les guêpes sur l'heure de pique-nique. Bah allez. Aidez-moi. Merci de m'avoir sauvé. Oh. Eh mais. C'est super efficace en fait. Moi je me suis dit je vais les attaquer juste avec l'épée, mais en fait. En fait, l'éclair, super pratique. Très bien. Merci pour le conseil. D'autres guêpes sont nées, mais elles ne font pas le poids contre vos armes. Ça, je me souvenais plus du boss, quoi. Attaquez encore la reine des guêpes. Utilisez vos pouvoirs de volonté, contraire. Hey, bam boum. Allez, meurs. Ouais. Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, tête de reine des guêpes, 500 pièces d'or, 276 en réputation.
1064 points. Ouh, bien, pour évoluer. Votre renom a augmenté, cela représenté par la barre en bas de l'écran. Plus vous devenez célèbre, plus votre présence sera perçue célèbre ou même crainte. Pour accroître davantage votre renom, accomplissez des quêtes, montrez vos trophées et faites autant d'actions héroïques que possible. Toutes les augmentations de renom apparaissent. 773 de renom, très bien. Vous recevez une nouvelle quête. Très bien. Ouais, une pomme. Ouais, une tarte aux pommes. Genre, il y a des pommes qui tombent de cet arbre là. Bon, non, c'est un boulot, c'est pas un. Non, j'ai rien à dire. J'allais dire, les pommes elles tombent. Et le mec, vas-y, je me fais une tarte aux pommes vite fait là. Oui, une barbe, cool. Vous avez trouvé une carte de coiffure. Apportez une carte de coiffure à un barbier pour qu'il vous fasse la coupe illustrée sur la carte. Très bien. Alors, moi je veux la pomme, voilà. Je les prends pour plus tard, ça peut nous rapporter de la vie, c'est cool. Il y en a pas mal. Donc les petites cartes, là, comme vous avez vu, il y en a un peu de partout. Donc il y a des coiffures, il y a des barbes, il y a même des tatouages. On en a déjà trouvé une dans le machin des héros. Oh, une potion. Potion de santé. Une autre tarte au péum. Ok, bon, bah je crois qu'on a à peu près tout. Donc ouais, c'est pas de prise de tête, hein. On explore tout tranquillou, c'est pas un speedrun. Bonjour, oui, c'est moi, chasse-poulet. C'est moi, chasse-poulet. Voilà, merci. Je préfère. Bon alors, on va rentrer. Hein. Donc je crois que mon saut de héros a fait ding-ding. Ça veut dire qu'ils ont besoin de moi ou qu'il y a des nouvelles quêtes disponibles. On va aller voir ça tout de suite. Tout de suite. Mas vous cherche partout. Vous attend à la taverne de Bowerstone. Très bien, j'arrive. Je vais à la guilde, vite fait là. Guilde des héros, oui, s'il vous plaît. Je veux me téléporter. La téléportation. Bon, on a encore beaucoup de choses à explorer. Hein. On est qu'au deuxième épisode. Je sais pas combien d'épisodes ça va prendre. On verra bien. Peut-être que ça va prendre 25 épisodes à peu près, comme ma série The Witcher 2. En tout cas, je vais prendre mon temps. On verra. Je vais essayer de faire le plus de quêtes possible pour évoluer le mieux possible. Ah, celui-là a l'air. Bonjour. Vous devez être le jeune homme dont Maz parle tout le temps. Je ne vois pas ce qu'il vous trouve. Enfin, Maz a l'œil de l'expert. Je me présente, Églantine. Vous me connaissez sans doute de réputation. Mais nous n'avons pas le temps pour les autographes. Je vais à Knossol Glade pour une mission importante. À ce propos, si vous venez pour les cartes de quête, toutes les meilleures ont été prises. Ah bah je super. Suis sûr que la guilde a du travail pour vous. Il paraît que les cuisines sont sales. Tu vas voir, un jour je serai plus réputé que toi. Ma renom n'égalera que celle du raton laveur en hiver. D'un soir d'été. Et je sais, ça veut rien dire. Elle a pris une bonne quête, hein. Ouais, moi, je peux pas les prendre. Je vais. Elle est là. Hop. Alors, on a combien? On a 1200. Non, 1253. Et j'aimerais bien augmenter mon physique pour quelque chose que vous verrez plus tard. Ce que je vous disais la dernière fois. Acheter. Merci. La prochaine, ce sera 3000. Très bien. Ok. Ça marche. Et ben là, j'ai plus rien. On peut plus rien acheter du tout. Donc je commence à être assez costaud. C'est cool. Je vais, en espérant me costaudifier encore un peu plus. On va passer par là, comme ça on va se promener. Ouais, on va se promener. De toute façon, je peux pas me téléporter encore
Logval, non, c'est comment ça déjà le nom? Ah, oh, je sais plus. Enfin, la ville où Maître Maz m'attend à la taverne. Alors, c'est quoi déjà? Bowerstone, voilà, Bowerstone. Oui, donc les gens m'appellent Chasse-Poulet. Pourquoi? Parce que c'est mon blaze, t'as vu, ma gueule. C'est mon nom de réputation, en fait. Et c'est le nom de tous les héros du début, hein, tout simplement. Si vous faites, si jamais vous jouez, ce sera toujours Chasse-Poulet. Et lui, voilà, le vendeur de titres, il peut vous offrir des titres. Donc, Maleficus... Assassin, donc par exemple je peux l'acheter, Assassin, hein, devenez connu sous le nom d'Assassin, Avatar, Libérateur, Druide, Rôdeur, Maître des Runes, Capuche, Sabre, donc Sabre j'aime bien, moi c'était un de mes noms, Sabre, Chasse-Poulet, bah, celui que j'ai en ce moment, Face de cul, Face de cul j'aime bien, c'est un nom, donc les gens vont vous appeler comme ça, ils vont vous croiser, ils vont dire oh là là mais c'est pas Face de cul. Donc voilà, tout simplement. Même si vous êtes super gentil, super connu et vraiment adoré tout le monde et que vous appelez Face de cul, bah, les gens vont vous appeler Face de cul, quoi. Vous avez eu la guêpe. Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire, tout simplement. J'aimerais... faut que je me familiarise avec l'inventaire, avec l'interface, parce que c'est assez... c'est pas comme les anciens, c'est plus complexe, on va dire. Journal, compétences, stats et équipement. Donc stats j'ai quoi, tiens. Physique, 2, d'accord, sur 6. Ah ouais, quand même, j'ai du chemin. Je pense qu'il faut que je sois 6 pour ce que je veux faire. Enfin, on verra. Donc vêtements, non, pas les vêtements. Armes, non, objets. Tête de reine de guêpe, utiliser. Exhibez votre trophée. Un témoin sera... sont disponibles. Jusqu'à présent, le plus grand nombre de témoins était de 0. Bah oui, alors. Hein. Allez, regarde. C'est la reine des guêpes. Je l'ai tué. Bon, bah, on va s'attraballer un peu avec nous. Hein. Tranquillement. Et on va passer par là, du coup. Un guerrier ? Comment vous faites ? Vous tuez vos ennemis avec votre odeur ? Le temps est écoulé. Votre trophée a été vu par 0 témoin. Il n'a pas été vu par une personne. Vous marquez donc 0. Vous n'avez pas battu votre meilleur score. Vous ne gagnez pas de renom. D'accord, ça on verra. Bonjour. Regardez-moi ces haillons puants. Il s'attend vraiment à ce qu'on lui donne de l'or. S'associer à la brute. Si tu veux, je peux t'apprendre quelque chose qu'il déteste vraiment. Qu'est-ce que tu... J'étais un aventurier comme vous. Mais regardez-moi maintenant. Je mendie pour survivre. Et ce morveux m'ennuie tout le temps. Alors, j'ai dit que je ferais un gentil. Dans les commentaires, certains m'ont dit « Fais un méchant ». Et je sais pas trop. Parce que j'ai fait un méchant avant. C'est cool de faire un méchant. J'ai fait un gentil. C'est cool aussi. Et j'aimerais bien faire un peu quelqu'un de neutre. Quelqu'un de... Ouais. Mais je sais pas. Donc je vais suivre mon instinct. Et quand j'ai envie de dire... merde, je dis merde, et quand j'ai envie de dire t'es gentil, je dis t'es gentil. Donc, j'ai envie d'aider le mendiant à se débarrasser de la brute. Trouver un truc. Non. Ah, tu pues autant que ce mendiant. Je me tire d'ici. Rarement vu un truc aussi drôle. Mille merci, héros. Vous vous ferez beaucoup d'amis dans vos voyages. Nous nous reverrons peut-être, héros. Au revoir, mendiant. Héros. Je suis un héros, ça y est. Qui c'est ? La statue ne semble pas pointer dans une direction particulière. Ça veut dire qu'elle pointe dans une direction particulière. Excuse-moi. Elle pointe par là. Ah. Ah non, c'est... Bowerstone, cité du commerce. Oui, j'y vais. Je regarde un peu par là. Est-ce qu'on peut passer derrière ?
Que vous savez, ce jeu est un peu tordu des fois. Y a pas moyen de passer derrière là, y a pas un chemin, quelque chose. En plus, je vois rien parce qu'il fait nuit et je suis. J'ai le reflet de la fenêtre dans le. Dans l'écran, du coup, je vois un peu mal ma carte. Enfin, mon écran. Qu'il fasse jour, je verrai un peu mieux. Je verrai un peu mieux, hein. Ah, bah oui, hein. Alors, on se promène, on discute, hein, tout tranquillou là. J'espère que vous allez bien. Y a rien sur le banc. Non, y a rien, donc on continue. Allez, c'est parti. Qui es-tu? Ah, c'est un garde. Donc là, faut pas faire de conneries quand on est en présence des gardes, parce que sinon. Sinon, peut nous arrêter, hein. Et pire, peut nous défoncer. Il est fier. Je suis un garde, je suis fier d'être un garde. Hop, Wolverstone Sud. Allez. Les portes démoniaques ont été conçues pour protéger des types, tout type de secrets. Si vous réussissez à satisfaire une porte démoniaque, elle vous laissera peut-être passer. C'est bien ça. Il y a plein de trucs assez sympas dans les portes démoniaques. Il peut y avoir des potions comme une belle arme ou tout autre vous type êtes de choses. Vous ici, hein ? Oui, monsieur. Je vais vous expliquer les quelques règles que nous avons. Bowerstone est une ville paisible. Je vais devoir confisquer vos armes pour l'instant. Donnez-les-moi. Il y a des échoppes, des tavernes, des gens, des jeux, plein de choses. Pourquoi ne pas faire un tour à la taverne? C'est le bâtiment qui se trouve devant vous, en haut de la route. Ah, et ouvrez l'œil. Lady Grey se trouve ici. Et faites preuve de respect. C'est la maîtresse ici. Profitez bien de votre séjour à Bowerstone. Merci, monsieur le garde. Mais non, t'inquiète, je vais pas enfreindre la loi, je suis pas comme ça. Pour le moment. Alors, si on allait chez des gens. Ah, c'est un commerçant. Tailleur. Bonjour, monsieur le tailleur. Vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que tu as de beau à vendre? Casque de maille. Ah, il faudra que je me fasse une armure en plate. En plaque. Plaque ou plate? C'est de la plaque, je crois. Ah non, c'est de la plate. Et la plate, c'est énorme. C'est super beau. Sur un guerrier, c'est super joli. Une armure en plate. Elle doit y être, là. Comment elle s'appelle? C'est de la plate, mais c'est pas de la plate sombre. C'est de la plate. Lumineuse, on va dire. Je sais pas. Pour les gentils, entre guillemets. Et c'est cool. Moi, j'aime bien les jambières de plate. Pourquoi je peux pas la prendre? Parce que c'est trop cher, tout simplement. D'accord. Ok, très bien. Bah, t'as pas mal de petites choses. Ouais, casque de maille, il est super cool. Les vêtements. Gants de villageois. Ah, ça, c'est les. Hop. Les bottes. Les bottes de plate, elles sont super belles aussi. Enfin bon, mais là. Bravo. Merci, c'est gentil. Donc on peut voler des trucs hein, chez les gens, mais pour l'instant je vais m'abstenir. Bonjour, voilà, c'est chez quelqu'un du coup. Et si je vole quelque chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui me voit ou pas. Il me suit quand même, hein. Il est pas bête, hein. Voler peut vous coûter une lourde amende. Ouais, barbe classique. Hop. Ah, je me promenais à l'étage. Oh, il est pas là. Je vous dis, je suis quelqu'un de mitigé. Hein. Vite. Et comme je disais, je fais quelqu'un de mitigé. Je fais pas quelqu'un de bon, je fais pas quelqu'un de méchant. Je fais... Voilà, c'est mitigé. Ouais, 50 pièces d'or. Veuillez respecter la loi en ces lieux. Oui, j'ai rien fait. Je regardais.
comment quand quelqu'un me voit, c'est... Ah voilà. Donc là, il y a zéro personne qui me voit. Boum. Vous trouvez rien d'intéressant. Très bien. Et là, boum. Vous trouvez rien d'intéressant non plus. Là, il y a une personne qui me regarde. Tu veux pas bouger vite fait ? Boum. Coiffure normale. Ah, je l'aime bien celle-là, la coiffure. Hop, potion de santé. Donc, comme j'ai dit, quelqu'un de mitigé. Oui ? Bon. Oh oui ! Bon. le mec, il. Je sais pas. Il dit tiens, je vais essayer d'être autoritaire. Oui, Maz, mais attends. Ah non, j'ai envie de te voir maintenant. J'ai envie de continuer à visiter. Où vous croyez-vous pour entrer sans invitation ? Faites demi-tour, mon gars. Pardon, je pensais que je pouvais. Je vais des escaliers, je veux que c'est ouvert, moi. J'arrive, Maz, hein, t'inquiète. Hein. Alors, j'ai envie d'avoir une petite amoureuse, et je pense que ce sera elle. À moins que ce soit... Pourquoi tu fais bravo ? Ah, c'est Maz, d'accord. Moi aussi, Tu as aimé être au centre des attentions. Bon, tant pis. Oui, j'ai eu vent de ton combat contre la reine Gep. Tout Bower Stone en parle, mais ne laisse pas de telles considérations te monter à la tête. Enfin, je ne t'ai pas appelé pour ça. De sombres forces se rassemblent à côté ton insecte géant est ridicule. Quels sont tes souvenirs de la nuit où je t'ai emmené à la guilde et du raid sur Ogval ? Pas vraiment, j'imagine. Une nuit terrible. Je pensais que les bandits avaient tué toute ta famille et que tu étais le suivant. Mais il semblerait qu'il y ait eu un autre survivant. Ta grande sœur. Je crois que ce n'est qu'une rumeur. Impossible d'en être sûr, mais je devais te mettre au courant. Et par pitié... Remplace donc cet équipement standard pendant que tu es là. Très bien. Je vais remplacer mon équipement standard. Choisissez vos quêtes à la... Je sais pas siffler, c'est pas grave. Alors, oui, donc je disais, parce qu'on peut se marier, je crois. Si je ne m'amuse. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, petite fille ? Vite, suivez-moi ! Qu'est-ce... Ah, t'es pas belle. Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez là, t'es sérieux ? Ouais, j'arrive pour les épées, les haches, mais après... donc je disais... on peut se marier ? Donc... Oh, c'est terrible ! Mon fils est malade ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon petit, mon pauvre petit. Nous faisions un pique-nique à la croisée quand il a trouvé... Ces champignons étranges. Bah oui, pas vous faire n'importe quoi. La sorcière du quai de Bowerstone dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il lui faut d'autres champignons pour le soigner. J'irai bien en chercher moi-même, mais je dois m'occuper d'Aldi. Pouvez-vous nous aider ? Eh, je veux bien. Je veux bien vous aider. Donc je disais, on peut se marier, je crois, si, parce que je sais que dans le 3, on peut se marier. Mais on peut avoir des conquêtes, on peut en avoir plusieurs. Hein. On peut avoir plusieurs petites copines et même des petits copains. Normalement. Mais ça, ce sera après. Donc, forgeron, s'il te plaît. Qu'as-tu à vendre ? Donc, les arcs, non merci. Épée longue en fer. Moins 2, non, ça m'intéresse pas. Katana à fer, je m'en fous. Ouais, non plus. Ouais, tout fait moins 2, donc c'est... Ah, plus 13. Ouais, mais c'est un grand marteau. C'est plus lent, par contre. Voilà. Niveau 3 requis, en plus, en physique. Donc c'est plus lent, mais par contre, ça fait plus de dégâts, comme vous pouvez le voir. Grande épée en fer. Bon, après, c'est tout niveau 3. Et j'ai vu qu'il n'y a pas un katana. Ah, il y a une grande épée. C'est bien, les grandes épées, aussi. C'est plus lourd, pareil. Épée longue, acier... Marteau, fendoir d'obsidienne, grande épée d'obsidienne, hache de maître, très bien, qu'est-ce qu'on... Marteau d'acier, non ?
Masse d'acier, plus 1, moins 2, plus 5, ça. Oh, et joli, en plus. Léger, nanani, nanana. J'ai 375 et ça coûte 346. Mon cousin dit qu'il se passe des choses bizarres à la ferme berger. Ouais, toi aussi, il se passe des choses bizarres, un peu cher. Je vais juste faire le tour, après je reviendrai peut-être pour toi, du coup. Qu'est-ce qu'on a, là? On peut fermer ces portes, là? Deux personnes me voient? Ils sont où? Ah, bonjour. Plutôt bel homme. Merci. Hey. Jolis yeux. Hey. Jolis yeux. Quoi de nouveau? T'inquiète, mon grand, je vais rien faire. Juste, je visite et je repère les lieux si jamais je veux voler quelque chose. Alors là, c'est le coiffeur. Bonjour. Le barbier. Et c'est avec elle, je crois, que je me suis marié. Violer une propriété privée est un crime. Si vous ignorez les avertissements du villageois, les gardes interviendront. Qui êtes-vous? Mais non, mais je veux juste me faire coiffer. Ah, mais d'accord, ok. Il est tard, en fait. Bon. Super. Bon, en fait, il est tard. Tout va fermer. Du coup, je suis... voilà, quoi. Et ça, si je ne me méprends pas... Ah non, c'est pas là. La guilde des zéros. Vous n'êtes pas méchant. Pantalon noir de villageois, bien. Chemise noire de villageois, bien. Bottes noires de villageois, bien. On va pouvoir changer de look un peu, tout en noir, peut-être. Je sais pas ce que ça va donner. Personne dehors, c'est bon. Potion de volonté. 50 pièces d'or, très bien. Et ça, c'est... Si je clique, je fais quoi? Je dors dedans et après je me fais surprendre, c'est ça? Ou comment ça se passe? J'ai pas envie de tester. Ça me fait peur. Souvenez-vous, soyez réglo. Ouais, mais je suis réglo, j'ai rien fait. Alvin, bonjour. Je prends un vrai héros. Salut toi. Ok, de Bowerstone, on ira voir après. Ah. Mon jeu préféré, le shoot dans le poulet. C'est quoi ce bruit? C'est une gamine qui fait ce bruit? Bonjour. Elle s'est cassée. La gamine, elle s'est cassée la gueule. C'est quoi là? Ah, c'est l'école! C'est vrai, il y a une école, j'ai carrément zappé. Bon, bah c'est une école, hein. Et il y a un prof, normalement. Ah bah, c'est lui. Et je crois que lui, dans ma partie, il est tombé amoureux de moi, je crois. Je crois, hein. Après, peut-être que je mélange mes souvenirs du 3. Et ça, si je ne me méprends pas... C'est la maison qu'on achète. Ah bah tiens, regardez. Voilà, c'est la maison qu'on achète, donc bon, j'ai pas assez de sous, hein, vous imaginez bien, pour le moment, c'est un peu, voilà. Bon, j'aurais bien aimé aller chez le coiffeur, histoire de changer de coiffure, lui te fait, même carrément avoir une barbe, mais non du coup, je vais pas rentrer en fraude, parce qu'il y a des gens qui me regardent, ici je peux rentrer là vite fait ou pas? Bonjour, rien, je visite. Vas-y, il y a des gens en bas. En haut, il y a personne. Je veux... Qui c'est qui me voit? Il y a personne qui me voit, il y a personne là. Allez, sortez des gens de la maison. Vous pouvez ou pas? Je veux juste prendre... Ah, une carte de quête importante vous attend à la guilde. Oui, j'ai compris. Ah, nickel. 50 pièces d'or, très bien, ça aurait valu le coup d'attendre. Bonjour, oh là là. Oh, de justesse, hein. Mais de justesse. Vraiment. Ah non, je visite, je t'ai dit tout à l'heure. T'inquiète. Là, qu'est-ce qu'on est bien.
ne trouvez rien. Les yeux d'un tueur. Tatouage de bras, chat océan. Très bien, des tatouages, on va pouvoir se faire tatouer. Ok. Ici, là, on y allait. On y allait, je crois. Juste regarder du coup l'équipement que j'ai chopé. Enfin, le petite tenue villageoise là. Ah, à chaque fois, je me trompe de bouton. Alors, équipement, vêtements, gants d'apprenti, nanana, nanana, pas de chemise. Chemise noire de villageois. Effroi, ah ouais, effroi plus 13, d'accord. Chemise de villageois, chemise noire de villageois. Donc ça, c'est pour les gens, pour faire peur. Pantalon, pantalon noir de villageois. Effroi plus 7 et les bottes. Pareil, effroi plus 2. J'ai pas envie de faire peur aux gens, du coup je vais rester en mode villageois bien. Je sais pas qui c'est qui me regarde, mais il y a une bonne vue. Ah, bonjour. Ah, c'est elle. Salut! Ah, du coup, j'ai déjà fait ici, non? Bah, bon, on va dire que j'ai déjà fait parce que là, je m'attarde un peu trop. Alors, faut que j'aille à la guilde. Je vais avant continuer par là, vite fait. Du coup, j'aurais rien acheté. Bon. Un tour à la taverne, peut-être. Peut-être voir s'il y a des gens. Je voudrais une boisson fraîche. Vite fait, je vais faire mon truc de la guêpe là. Mince. Putain, faut que je me familiarise vraiment avec le. Équipement. Objet. Tête. Reine des guêpes. Ok, j'ai compris le truc en fait. Ok, faut montrer aux gens quoi. Bon, y a plus personne. Il y a un temps, j'ai vu. Mon corps est fait de sucre. J'espère que je ne tomberai pas dans une tasse de. Oh là là, la déprime du mec. Alors, c'est vous, chasse-poulet ? Mon corps est fait de sucre, j'espère que je ne tomberai pas dans une tasse de thé. Oh là là, il y a peut-être des gens en haut. Bonjour. Ouais, y'a personne. Ça fait peur hein, le bruit. Hein. Bon, tant pis. Donnez-moi de la bière. Il n'a pas été vu par 10 personnes, vous marquez donc 0. Ouais. En fait, faut. Voilà quoi. Merci. Les pères. Ouais, mais non, je veux pas jouer. C'est. Ouais, c'est. De rien, va. Yes. Bonjour, monsieur l'aubergiste, qu'est-ce que t'as à me vendre? Ah, je vais lui vendre mes trucs aussi, peut-être. Potion, chocolat, pomme verte, viande rouge. Une caisse de cidre. Vendre, peut-être. Ouais, potion de volonté. Pomme verte. Tout vendre. Hop. Tarte aux pommes, tout vendre. Qu'est-ce que. Y a rien d'autre à vendre là? À part ma potion je la garde. Certaines quand même. Trapus, l'achète et revend. Vous êtes à la recherche d'une bonne lame. Du coup, ben voilà, du coup j'ai dû. Comment va? Pardon monsieur, j'aimerais bien passer du coup. Qu'est-ce que vous pensez de chasse poulet? Du coup j'ai des sous, c'est bien. 800 et des poussières. La porte de Culis sont un moyen rapide de voyager dans l'Albion. Bah allez.
On va aller à Guilde des Héros. C'est parti. Ok. Vandaliser la propriété de quelqu'un est interdit. Attention aux gardes. Oui. On va rester prudent. Alors, qu'est-ce que quoi ? On va prendre une nouvelle guilde. Une nouvelle quête. Et puis voilà. Bonjour. Alors. Défense ferme au verger. Aider le garde à défendre la ferme au verger contre une attaque de bandits. 750, c'est bien. Sélectionner quête et attaque ferme. Ça, je peux pas. Ok. C'est parti. C'est par là. On n'a pas de. Non, on n'a rien. J'allais voir si on n'avait pas des points à mettre pour ma force, du coup, mais non. Mais non. Bon, j'espère que ça vous plaît en tout cas, les amis. C'est moi, j'aime beaucoup ces fables, hein, de toute façon. Et en joli, c'est cool. Non, merci, monsieur. Ça va aller. Donc là, de nuit, il y a moyen qu'on se fasse agresser. Mais c'est pas grave, hein. C'est qui dit que se passe-t-il là, quoi ? Hey ! Salut ! Hey ! Jolis yeux ! Merci. Expression, alignement social, social. Lousser, suivre, attendre, roter, péter, non merci. Alignement. Ah ! Mon dieu. Mais non, je peux te faire de mal. Hey ! Oui ! Hey ! Jolis yeux ! Merci. Allez, c'est parti. Donc la ferme est à gauche. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est à moi que tu parles ? Les ouais. Ondes sonores peuvent envoyer ta tête dans le soleil. Je l'ai vu, mec. Je te jure. Si je n'avais pas perdu mon champi de vérité à la guilde, je pourrais te montrer. Oui. Eh, si tu restes immobile, je peux voir ton squelette. C'est trop fort. T'es de la guilde, non ? Quel endroit ? Eh, quand tu y retourneras, tu pourrais peut-être retrouver notre champi. J'étais sur les pierres dans la mare près de la porte qui parle. Quand le champi m'a échappé des mains. Hop! Eh les mecs, vous êtes un peu. Faut se calmer, hein. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, une clé! Vous avez trouvé une clé d'argent. Utilisez ces clés pour ouvrir un coffre spéciaux. Enfin, des coffres spéciaux à travers le monde. Donc, y a plein de coffres, hein. À découvrir et à ouvrir. C'est comme si des fées creusaient des tunnels dans mes gencives. Ouais, faut se calmer. Hein. Par contre, je sais plus quel bouton c'est pour désarmer, mais je sais plus. Enfin bon. Bon, il y a beaucoup de chargements, hein, comme vous pouvez le voir. On fait 3 mètres, il y a un chargement. 3 mètres, un chargement. Et ainsi de suite. Alors comme ça, tu vas travailler à la ferme au verger. Je savais que c'était ta vocation. Hier, à la guilde, Lady Grey a fixé cette quête pour le camp opposé. Peut-être devrais-je la faire ? J'espère que tu t'es entraîné. Il te faudra toute l'expérience possible pour me battre. À plus tard, le fermier. Bon, c'était notre pote, hein. Très bien, oui. Oh.
Ok. Allez, allez-vous-en. Non, 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 putain. Pardon, mec. Non! Putain, mais le c'est l'auto. Rien, t'inquiète. J'appuie sur la gâchette pour viser. Attention. Ça va? Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Enlever tatouage. Tatouage, masque. Ok. Ah, c'est tatouage, c'est cool. Effroi plus 5, charme plus 5. Putain, ça fait de l'effroi. C'est des tatouages, ça y est, ça fait peur. Ça va mal à la ferme au verger. Ouais, je sais, j'y suis là. Sur l'affaire de la ferme au verger. Allez, venez les petites XP. Voilà. Ouais, donc c'est par où ? Il y a un point bleu, c'est elle. Ah. C'est bon, on peut l'ouvrir. Et c'est élixir de volonté, super. Partout par terre. Ah mais non, c'est... je suis bête. C'est les gentils, c'est les gens. Les points bleus, les points rouges, c'est les méchants. Les méchants pas gentils. Viens là, toi. Ok. Eh ben allez, c'est parti. Vers la ferme au verger. On va buter des... je sais pas. Des trucs. Rendez-vous dans une boutique et parlez aux commerçants. Sur l'écran des échanges, vous pouvez examiner les objets au détail. Voilà. Très bien. Ah ouais, ça me dit quelque chose là. Oh, c'est un gentil. Ah oui, on chasse des poulets. Donc là, j'ai pas assez de... Voilà. Il m'en faut 5. Oula. On va attendre, hein. Excusez-moi, monsieur. Je le vise, mais c'est parce que j'appuie sur les deux gâchettes en même temps pour pouvoir récupérer l'XP. Hein. C'est pas parce que je veux le buter. Ok, donc par là. C'est parti. Allez, hop. On se dépêche. On mène son petit train. Ferme au verger. Nickel. Allez, encore un petit chargement. Ce n'est pas pour nous déplaire. Orchard Farm. Oula, problème de skin, les poules. Ah, c'est bon. Avant soit loué, je pensais que personne ne répondrait à l'appel. J'ai pris quelques mesures pour plus de sécurité, mais il y a trop de bandits. Ils vont me raser ma ferme. T'inquiète, j'aimerais n'avoir jamais trouvé ces pierres. Elles sont porteuses de malheur. Ma femme Jenna ne les veut pas près de la maison, alors elles sont dans des caisses dans la grange. Elles doivent valoir une fortune, on dit que Lady Grey les veut. J'ai déjà perdu 3 aides dans ces raids. Oulala. Là là. Ce sont sûrement eux. Je ferais mieux de rentrer m'occuper de ma femme. Elle est terrifiée. T'inquiète. Je m'en occupe. Récompense. Très bien. Allez. Venez là, les mecs. Coupez en rondelle.
bien. Bon, ils sont avec nous, on va les laisser tranquilles. Parce qu'ils font un peu mal quand même, les bandits. Les gardiens. Enfin, les gardes, quoi. Par là, non, c'est toujours là-haut. Quand on bouge, j'ai rien. Il y a de l'or là. Plus 5, ouais. Ouh. 3 sur 3 les pierres, très bien. Bon, on va rester là. Hein. Excusez-moi les amis si je parle pas, mais c'est parce que je suis concentré. Une tarte aux pommes, très bien. J'aime bien les phases de combat, c'est assez sympa. Encore ? Ah non. Oh, tu as appris de nouvelles attaques ? Ouais, je t'ai pas attendu. Eh bien, hein. Tu n'es pas le seul. J'espère que tu as appris à placer des bottes, car c'est ton seul moyen de te rapprocher de moi. Allez, essaie de me toucher avec une botte. Lorsque vous voyez l'icône 1-1 et qu'une lueur violette apparaît sur votre arme, appuyez longuement sur la touche X pour porter une attaque puissante et imparable. Très bien. Non, pas l'arc. Je suis battu. Ah. Bon, cette quête est pour toi, alors. Et oui. Tu n'auras pas toujours cette chance, fermier. Nous nous reverrons un jour. Et je serai prête. Pas de soucis. Je t'attends. Vous avez réussi. Comment ça s'appelle. Tous nos remerciements. Et de rien. Quelqu'un va bientôt passer pour ramasser les caisses, comme ça nous n'aurons plus de problème. Je ne comprends rien à toutes ces histoires de pierres, et je serais bien content de m'en débarrasser. Mais apparemment, elles ont de la valeur pour quelqu'un. Je parlerai de vous à tout le monde. On a besoin de héros comme vous. Très bien. Ouais. Pas du tout la même voix, mais c'est pas grave. Y a des trucs dans votre maison ? Broche de Whisper. Ah, cool. 755. Ah, cool. Et des sous, de la réputation. Vous avez maintenant assez de renom pour utiliser l'expression « railler ». Votre nouveau rang est anodin. Très bien. Choisissez vos quêtes à la guilde. Railler, c'est quoi ça ? D'accord, c'est pas top. On peut pas rentrer, hein ? Je sais plus du coup comment on fait pour ranger son arme. C'est pas grave. Y a rien ici, y a rien à prendre. J'ai vu qu'il y avait un petit chemin là. Souvent regardez la petite map, il y a des petits chemins, des petits trucs. Ah, j'ai pas de pelle. Et après on peut avoir une pelle et on peut on peut déterrer des trucs et il y a des trucs sympas à déterrer. Essayez d'augmenter votre multiplicateur de combat. La guilde, voilà. Donc voilà. On va bientôt se laisser. Mais bon, pas encore. Hein. De toute manière, les épisodes sortiront assez rapidement, les amis. Y a pas de problème. Et du coup, je sais pas si je vais faire des épisodes d'une demi-heure au lieu d'une heure. Mais tout à l'heure, je voulais faire un épisode d'une demi-heure et je trouvais que le contenu de l'épisode n'était pas très enrichi. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis. Hein.
On est plus de 700 maintenant, c'est bien. C'est cool. Il y a plein de gens. Et à 1000, peut-être que je monte ma face. Et pas ma fesse, hein, ma face. Ma fesse, c'est dans beaucoup d'abonnés. On verra plus tard. Alors, 3063. Et ben, go. Boum. Voilà. J'augmente que le physique, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Ok. Alors, escorte de marchands, massacre des hobs. 900 et 2000. 2000, oh là là. Escorte des marchands. Eh ben, j'accepte. J'accepte celle-là aussi. Et puis, alors, je veux savoir comment on fait déjà pour... Ah, nickel. Voilà. Et ça, c'est pour protéger. Ok, très bien. Bonjour, quelque chose à me dire ? Non, très bien. Donc, je vais me retourner ici et je vais vous laisser ici, les amis. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu. Et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode de Fable Anniversaire. Allez, salut les amis, c'était Aki. Ciao.